Salut YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo très spéciale. On va faire le bilan de la chaîne. Depuis que j'ai repris les vidéos YouTube, petit bilan pour savoir si vous déjà en commentaire, bien, la chaîne en ce moment vous plaît. Moi, je vais faire un petit bilan sur ce qu'on a fait déjà, les concepts qu'on va pouvoir faire ensuite et une vidéo setup qui va venir. Et comme vous l'aurez vu, la qualité est différente. Mesdames et messieurs, j'ai changé de caméra. J'ai opté pour cette caméra là, un petit Sony ZV1, et bah je suis très content, vraiment c'est un truc de fou. Je vais pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie dans toutes ces vidéos, dans tous les streams que je vais réaliser dans les jours à venir, et je vais continuer sur cette lancée. Lâchez votre petit like pour soutenir la vidéo et puis on va directement la commencer. C'est parti. Ok, on est en jeu, on est sur Hypixel, on va se lancer un petit build battle en solo et on va pouvoir parler de la chaîne YouTube. Ok, j'espère qu'on va avoir un super thème, on va voir tout de suite ce qu'on va avoir. Abeille, horloge, météorite, dauphin et ninja. On va faire un petit ninja, tiens, ça peut être cool. Météorite, bah écoutez, on va faire la météorite. Je prends vite fait les blocs et on va commencer à discuter de cette chaîne YouTube. Ok, voilà, on a à peu près tout. On va pouvoir faire un petit truc sympa. Allez, commencer. Ce que j'avais envie de dire, c'est merci des retours sur les dernières vidéos qu'il y a eu sur la chaîne YouTube. C'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup plus de commentaires que les vidéos d'avant. Ça, je l'ai bien remarqué. La motivation. Et comme ça, ça me permet de savoir vous ce que vous voulez. Du point de vue YouTube, on a commencé, on a recommencé du coup sur la chaîne YouTube les vidéos à fond depuis le 3 janvier 2022. À partir de ce jour-là, on a fait tout le temps 2 vidéos par semaine. C'est à peu près ça, ouais. 2 vidéos par semaine. Et c'est vrai que depuis qu'on a fait ça, on tient totalement le rythme. Moi, depuis que je fais ça, je me sens vraiment bien. C'est-à-dire que je prends vraiment du plaisir à créer les vidéos, à imaginer les vidéos, à faire les miniatures. Je m'amuse, ça s'est vu avec la miniature juste celle-là par exemple, je peux vous la montrer. Celle où je fais la pose de Tanjiro. Je pourrais même vous montrer des trucs un peu des images de Photoshop, tout ça. Comment je l'ai faite. Moi, vraiment, j'ai pris un maximum de fun à réaliser tout ça, que je vais continuer à réaliser tout ça. Et maintenant, on va parler des concepts de la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Et tout. Alors il y a un premier concept que j'ai pensé et j'essaie de pas trop non plus vous spoil sur les vidéos. Du coup, de tester les youtubeurs Minecraft. De 1, ça me permettrait du coup de faire des feats avec des gens et découvrir de nouvelles personnes, parce que c'est important d'avancer à plusieurs sur YouTube. Vous l'avez déjà vu, en ce moment je fais plein de feats avec des youtubeurs, ou même que ce soit pas des youtubeurs, mais juste des créateurs de contenu qui sont passionnés par ce qu'ils font, etc. Un peu comme Monal, où Monal vraiment c'est un youtubeur builder et on est vraiment, on pense les mêmes choses et tout ça, donc ce gars là, j'ai adoré sa personnalité, donc franchement c'était trop cool. Ensuite, il faut savoir que dans les commentaires, il y a certaines personnes qui m'avaient dit du coup de mettre dans les timelapses ou pendant que je build les commandes. Et c'est vrai que c'est génial parce que il y a un truc que j'ai aussi fait pour quand j'ai commencé vraiment ces vidéos YouTube, du coup mis à ma passion avec le build Minecraft, tout ça, faire des concepts. C'est le fait de faire partager le savoir aux gens, le fait de vous faire apprendre. Et du coup, le fait de montrer des builds de cette manière-là, franchement, j'ai trouvé ça vachement cool. En tout cas, merci des idées du coup que vous pouvez me donner en commentaire. Vos suggestions, je les prends. Je prends note de vos conseils. Et voilà, je veux vraiment essayer de faire un truc super pro sur YouTube. Et je l'ai dit aussi à des amis ou quoi, que si je sens qu'il y a un truc qui déconne... merde, j'ai pas eu le temps de poser ça. Que s'il y a un truc qui déconne sur le build, en fait... le build, n'importe quoi, sur la vidéo, eh bien, je ne posterai pas. Je veux vraiment que tout soit le plus parfait possible. Je prends surtout l'exemple du Tanjiro de la dernière fois. Il y a eu des gens, du coup, qui m'ont dit le défi de faire Tanjiro en 1 minute, 10 minutes et 1 heure était pas validé. Et en vrai, je suis totalement d'accord, avec du recul en tout cas, parce que c'est vrai que quand j'ai fait le build et tout, c'est vrai que c'était cool tout ça. Mais c'est vrai que le build en 1 heure, déjà je l'ai fait avec Dark. En fait, moi je pensais vraiment le fait de partir sur la mentalité du fait que je voulais vraiment impressionner, je voulais faire un truc super stylé. Et je me dis qu'en 1 heure tout seul, j'avais clairement pas le temps de faire ça.
J'ai voulu mettre good quand même, hein. La preuve que je trouve que c'est vraiment très simple de faire des météorites comme ça, parce que on peut pas faire de trucs giga stylés avec des météorites sur Minecraft, sérieusement. Ça va être tout le temps un peu dans le même délire, et bah là c'est poupin. Hein. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur ce bilan de la chaîne en à peu près un mois et deux semaines, hein, depuis qu'on a repris... YouTube, et ça ne s'arrêtera pas. J'ai vraiment envie de tout le temps continuer. Je veux vraiment pas que ça s'arrête. J'espère que j'aurai tout le temps des idées qui vont se développer. Pour l'instant, j'ai au moins une dizaine de vidéos en tête que je peux faire et tout ça. Il y a du Asphalt qui va revenir, surtout pour la banque de l'Atomix Industries. Je vous rappelle qu'elle est toujours en construction, mesdames et messieurs. On va mettre good celle-là. Ouf, ah, la forme est pas... Allez, je suis gentil. Mais c'est vrai que la forme, elle est pas fameuse. On va finir 8ème. Et du coup voilà, je pense que j'ai tout dit. Écoutez, moi ça m'a fait plaisir en tout cas de vous parler. J'attends voir vos retours, vos commentaires, savoir ce que vous pensez de la chaîne YouTube. Et j'en profite aussi pour vous dire que je stream une à deux fois par semaine ou plus, ça dépend si j'ai le temps. Mais honnêtement, avec moi qui fais le travail, je rentre à 17h, voilà, c'est un petit peu galère. Souvent, bah, c'est le week-end ou sinon ça sera les soirs à partir de 17h30 sur Twitch. Je vous mets le Twitch juste ici. Et ben voilà, je pense qu'on a fini cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardée en entière. Elle était peut-être un peu chiante à regarder. Moi, ça m'a aussi un petit peu entraîné sur le montage avec ce nouveau format de vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Profitez, c'était Flo. Et puis, on se dit à samedi ou dimanche pour la future vidéo. Bye tout le monde. Ciao, ciao.